les accompagner au mieux. Et bon, faut pas dire que du mal. Que j'ai vécu sur mon territoire, sur mes terres de Fort Calquier, où ce sont les citoyens qui se sont emparés de cette ambition d'accueillir au mieux. Je ne veux pas qu'il y en ait qui se noient. Parler de Méditerranée, médite et rendez de l'âme. Transforme le monde. C'est pas forcément par des grands discours, c'est pas forcément par des grandes ambitions, c'est pas forcément par de la rhétorique ou des promesses vaines. C'est par de l'action quotidienne, celle que vous devez incarner, celle que nous allons incarner. T'as incarné quoi, toi, déjà ? Bon, mais c'est pas mal, pas toujours critiqué. Nos permanents, nos ressources sont et seront toujours à la disposition des adhérents. Mais est-ce qu'il y a de l'âme dans ton programme ? D'être maire pour changer sa ville, de la même manière qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel de la politique pour changer le Parlement. Et s'il y a un mandat qui m'a rendu fier, heureux, c'est celui de maire. Parce que vous transformez dans la proximité, mais vous transformez jamais seul. Vous ne transformez jamais contre les autres. Vous transformez grâce à la mobilisation de vos concitoyens, celles et ceux qui vous portent aussi vers l'ambition de faire. Et c'est cela aussi que nous devons faire. C'est pourquoi nous allons proposer d'armer nos concitoyens, les armer par l'intelligence, les armer par l'information, pour que celles et ceux qui ont un savoir, une expérience puissent les partager, pour que celles et ceux qui veulent agir puissent se former. Deux micro-learning ont été évoqués tout à l'heure. Ils sont déjà disponibles sur le budget et sur l'Europe. Lundi, notre premier MOOC proposera des outils pour agir sur le terrain. Là, j'ai fait mon quota. Là, je m'adresse à Monsieur le ministre du Numérique. T'accepterais le RSA ? Là, je suis bon, je suis connecté, je suis branché. Hein ? Ça, c'est moi un peu. En marche, hein, T'es pour le peuple ? En marche ? Là, on peut aussi faire des choses. La grosse République, ben, le reste, c'est hier. Non, c'est avant-hier. Hier, c'est en mi. Enfin, là, on est enfin. Programme Action Talent pour aider nos jeunes issus de quartier et de la ruralité à briser le plafond de verre. Que ces jeunes aient vocation à s'engager en politique, à fonder une association ou une start-up, qu'ils soient marcheurs ou non. La politique, ça veut dire apprendre à mentir au peuple. Un accélérateur pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui n'ont besoin que d'un coup de pouce. J'aimerais bien savoir qui ce sont devenus. Parce que. Quelque part, mes copains de la 89-10 le prochain Mohamed Younous, qui faisait les normes. Quelque part dans nos quartiers se trouve la prochaine entrepreneur qui créera une start-up pour redistribuer les invendus de nos supermarchés et en finir avec le gaspillage alimentaire. Le prochain développeur d'une appli pour concevoir un budget participatif au niveau local. Tous ces potentiels existent, ils sont là, dans notre société, et ils ne demandent qu'à être reconnus. Ben oui, moi aussi j'ai un potentiel, t'inquiète pas. Voilà notre mission. Est-ce qu'il pense ce qu'il dit ? Ou est-ce que c'est un programme ? Des idées, c'est ça, des actions, des valeurs, des principes, voilà quel est l'avenir de notre mouvement. Cet avenir ne dépend que d'une seule chose, votre engagement. Le vôtre est celui de tous. Est-ce que c'est toi qui as écrit ton texte ? C'est pourquoi la responsabilité que vous m'avez confiée aujourd'hui ne me confère aucun droit, mais seulement des devoirs. Celui de faire vivre les valeurs et les principes que j'ai ici rappelés, celui d'être au service de nos adhérents, celui d'être utile avec vous. Mais ceux qui ne sont pas adhérents, ils font quoi ? Car c'est l'ADN de notre mouvement, c'est sa raison d'être. Si nous sommes un mouvement neuf, nous avons aussi un héritage intellectuel et politique. Oui, nous avons une conscience sociale. Oui, nous sommes européens. Oui, nous sommes progressistes. Mais il vous manque la subconscience. Dans notre identité politique, alors revendiquons tout cela, portons-le haut et fier.